Prière à Notre-Dame de la Paix du pape Jean-Paul II en 2001. Ô Marie, secours des chrétiens, nous nous tournons vers toi dans nos nécessités, les yeux remplis d'amour, les mains vides et le cœur plein de désir. Nous nous tournons vers toi qui nous fais voir ton Fils, notre Seigneur. Nous levons nos mains pour recevoir le pain de la vie. Nous ouvrons tout grand nos cœurs pour accueillir le Prince de la Paix. Mère de l'Église, tes fils et tes filles te remercient pour ta parole de foi qui traverse tous les âges, montant d'une âme, pauvre, pleine de grâce, préparée par Dieu pour accueillir le Verbe dans le monde afin que le monde lui-même puisse renaître. En toi s'annoncer comme une aurore le règne de Dieu, règne de grâce et de paix, règne d'amour et de justice, né du mystère du Verbe fait chair. L'Église répandue à travers le monde s'unit à toi pour louer celui dont la miséricorde s'étend d'âge en âge. Ô Stella Maris, lumière de tous les océans et maîtresse des profondeurs, guide les peuples de l'Océanie à travers les mers sombres et tempétueuses vers le port de lumière et de paix préparé par celui qui apaisa la tempête. Garde tous tes enfants à l'abri du mal, car les vagues sont hautes et nous sommes loin du port. Tandis que nous avançons sur les océans du monde et que nous traversons les déserts de notre temps, montre-nous, ô Marie, le fruit de ton sein, car sans ton Fils, nous sommes perdus. Prie pour que nous ne tombions pas en chemin, pour que dans nos cœurs et dans nos esprits, en paroles et en actes, dans les jours de tumulte et dans les jours de calme, nous gardions toujours les yeux fixés sur le Christ en disant « Qui est-il donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Notre-Dame de la Paix, en qui toutes les tempêtes s'apaisent peu à peu, prie à l'aube du nouveau millénaire pour que l'Église en Océanie ne cesse jamais de montrer la face glorieuse de ton Fils, pleine de grâce et de vérité, afin que les hommes et les femmes du Pacifique laissent Dieu régner dans leur cœur et qu'ils trouvent la paix dans le vrai Sauveur du monde. Intercède pour l'Église en Océanie, afin qu'elle reçoive la force de suivre fidèlement le chemin de Jésus-Christ, de proclamer courageusement la vérité de Jésus-Christ, de vivre joyeusement la vie de Jésus-Christ. Ô secours des chrétiens, protège-nous. Brillante étoile de la mer, guide-nous. Notre-Dame de la Paix, prie pour nous.